ailleurs. On va se révolter, changer de société. On sait très bien que cette loi travail n'est pas du tout là pour faire baisser le chômage, mais pour augmenter la flexibilité, détruire les garanties collectives des travailleurs. Je vois qu'on est plus nombreux que les précédentes dates. C'est très positif. Et il faut savoir, le 31, c'est pas du tout la fin, c'est le début pour impulser, voilà, construire ce rapport de force, pour enfin inverser la dynamique, ne pas juste subir le rouleau compresseur libéral depuis 30-40 ans, et enfin reprendre, voilà, réussir à reprendre confiance dans les capacités de mobilisation. Faire basculer le capitalisme tel qu'il est, parce qu'il est destructeur des liens sociaux. Moins de travail pour moins cramer les gens, du travail pour tous. Et les médias indépendants, c'est super important. Lutte sociale, grève générale, derrière la loi de travail se cache le capital. Allez, lutte sociale, grève générale, derrière la loi de travail se cache quoi? Le capital! Allez, tout. De toute façon, en France, quand il y a une grève, ça se voit pas. Vous êtes d'accord avec ça ou quoi? Non! Eh ben alors faites du bruit! Égaux face aux études supérieures. T'as des jeunes qui sont obligés de travailler, qui peuvent pas assez se concentrer sur leurs études. Et ça a été depuis toujours, et aujourd'hui on va encore plus précariser les jeunes avec cette loi. La loi, bah, elle nous affecte tous, et c'est important qu'il y ait du monde dans les rues. Ça fait du bien de voir ça. Autant de gens, ça fait du bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul. Quand tu vois autant de monde qui se bouge pour un seul texte de loi qui n'est même pas sorti encore, ça montre qu'il y a un truc qui va pas et qu'il faut faire quelque chose, quoi. Je pense qu'il y a un gros ras-le-bol général par rapport à la façon de fonctionner notre gouvernement. C'est tout le monde qui est visé, c'est pas une partie de la population ou quoi, c'est tout le monde qui devrait être là à ouvrir sa gueule. Si jamais on décide de faire un bloc. C'est pas fini du tout, jusqu'au retrait et même au-delà. C'est que le début, c'est sûr. La révolution, elle arrive. Julien, Walou.